Alors salut Fabrice, tu es participant de la seconde édition du Paris-Roubaix Challenge et quelque chose me dit que tu es coursier à vélo. Ouais, exactement. Alors c'est de l'entraînement au quotidien pour toi, hein? Ouais, bah c'est un travail quoi. Puis là le week-end vu qu'on roule, bah avec le club sportif, tout le monde s'est dit que ça pourrait être une bonne idée de le faire. Donc ils ont donné les moyens de venir ici et puis demain matin, bah, on pourra aller. Hein. Alors pour s'essayer au secteur pavé du Paris-Roubaix Challenge, justement, il y a eu un petit entraînement du côté parisien. Bah en fait, hein? Ouais, on a essayé de se prendre toutes les rues à la con, pavées de Paris, je sais pas, Mouffetard, les quais, plutôt trois autres là où les noms ne viennent pas tout de suite. Alors c'est assez judicieux comme choix. Hein, ouais. on verra bien ce que ça donnera, mais justement, vous êtes une équipe d'une dizaine de personnes, c'est ça? Ouais, on va le faire à 7. Puis c'est plus dans un esprit de commencer à 7 et finir à 7. D'accord. Il n'y a pas vraiment de leader ou de tactique, si ce n'est de finir ensemble et de rentrer ensemble. Alors, est-ce qu'il y a un objectif temps pour l'équipe? Non. Non, c'est pour le plaisir. Je sais pas, on part à 7h30, vu qu'on n'est pas licencié, on part très tôt. Si tu fais 7h30 plus 10h, ça fait 17h30, on espère qu'on sera là à l'apéro. Quoi. Ok, ben, on va leur souhaiter bonne chance en tout cas, cette bande de copains qui sont inscrits. Et puis à demain 7h30. Hein. Ça marche. À bientôt, salut. Ciao.